Salut à tous les amis, ici votre tavernier de retour pour continuer la suite de la campagne de ce matin sur Lodzi. Donc, pour ceux qui regardent la VOD, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de webcam, celle-ci a rendu l'âme. Elle a décidé de s'en aller pour un monde meilleur de webcam où elle pourra filmer des stars comme... ça y est, ma femme me regarde et se moque déjà de moi, ça commence. Donc, décidé de venir... filmer des stars telles que, je ne sais pas, moi, Jessica Alba, ce genre de personne, et pas moi. Bref, elle est au paradis des webcams. Elle se porte très bien. Nous, bientôt, nous allons avoir une nouvelle d'ici la semaine prochaine. Mais en attendant, on est bien obligé de faire ça. Bref, on va reprendre la campagne là où on l'avait laissée la dernière fois. C'est-à-dire, je ne sais plus. C'est-à-dire qu'on va voir ça de suite. Ben vous allez bien, moi, toujours en forme depuis ce matin. Allô, le jeu. Le mandat du ciel a délaissé les traditions et ces dernières se meurent. Le peuple a besoin d'un nouvel empereur. Vous avez justement revendiqué le trône. Comme l'ouragan que vous êtes devenu. Prouvez que vous pouvez dominer le céleste empire. Ah oui, parce que l'empereur est enfin... l'impératrice est enfin décédée. C'est officiel. Votre conseil vous a fait part de ses requêtes. De consignes qu'il vous recommande fortement d'appliquer. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller conquérir le reste de la Chine. Et leurs demandes ne sont pas toutes infondées. Une graine ne peut pousser dans... Alors, on en était où? Oui, donc on était en train de se poser les questions. Allons-nous ou n'allons-nous pas péter la gueule à lui, à Liu Xun? Petite question. Est-ce que Liu Xun, il possède d'autres provinces ou c'est la seule qu'il a? C'est la seule ici. Ouais. Bon, autant l'éliminer. Je ne sais plus si on pouvait l'absorber dans la faction. Voyons voir. Négocier. Bienvenue, camarade. Vassaliser. Jamais. Offre déraisonnable. Il est 100 fois plus faible que nous, mais bon. Une offre déraisonnable. Je lui propose la garantie d'autonomie. Non, il veut pas. Est-ce qu'on a des seigneurs qui accepteraient de rejoindre notre cause? Il y a Jack Su. Ouais, mais Jack Su... Qu'est-ce qu'il possède, Jack Su? Bah, il a rien. Il a rien, Jack Su. Tao Chang.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer les colonies? Parce que là, on a beaucoup de fric, donc autant en profiter pour essayer de ramasser Yu Beiping. Alors, on peut recevoir en mariage. Non. On peut peut-être lui proposer... Bah tiens, elle qui en avait marre de nous. Oh, il y a moyen. Il y a moyen de récupérer... On va essayer de récupérer... On va essayer de récupérer cette province-là. Guangyang. Alors, Guangyang. Donc, on lui proposerait notre officier. Qui ne nous sert pas... Attendez, il y a pas de... Elle a pas d'équipement sur elle. Hein. Non. Ok. Alors, Tao Chiang. Un plaisir de vous voir. Moi, ce que je voudrais, c'est récupérer ce territoire-là. Une grande cité qui se trouve à l'arrière. Ça serait très bien de l'avoir. Donc, du coup, je ne veux pas recevoir le mariage. Je veux te proposer le mariage. Donc, je te donne elle qui essaye de se barrer à tous les tours. Et comme ça, ton héritier aura quelqu'un à épouser. Ok. Je te propose un paiement. Ah, il semble pas trop intéressé par l'argent. Ah, quoique. Non, pas trop. Pas trop, pas trop. On pourrait lui donner un auxiliaire ou deux en échange. Hein. Qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré ça. Ça, j'aime pas trop comme arme. Je trouve pas ça terrible. On a tellement d'armes. Tellement d'armes que ça sert à rien de toutes les garder. On peut lui proposer... Qu'est-ce qu'on a d'autre à te proposer? On a des chevaux. Bon, ces chevaux. Ok. Et en échange, on lui donne un dernier paiement. Ah mais ça valait le coup de l'avoir, elle. Voilà. Propose tout ça et en échange on récupère le territoire 6300. Allez, vendu. Nous et on peut dire au revoir à cet officier qui ne nous servait à rien. Ah. Alors ça c'est nul. Ça on casse. Hein. Y'a pas besoin. Ça aussi, c'est nul. Ok, parfait. Donc il reste que ce territoire-là à récupérer. On n'a pas d'autres propositions à lui faire. Voyons voir. Ah, il est où? Il est là, Tao Chiang. Bienvenue, camarade. Non, il n'y a rien d'autre. Ah, il serait chaud pour passer en alliance militaire. Il n'y a que Zheng Jian qui refuse. Hein. Il peut y avoir en quoi jouer, là. Si on accepte ça, on pourrait peut-être attaquer Zheng Jian dans le dos. Très bien. Alors, tout ça, ça quitte la coalition. Ok, bah c'est bon. Petite alliance militaire. Donc elle n'a plus d'alliés. Elle n'a plus aucun allié. Et elle a des territoires qui m'intéressent. Ça notamment. Tout ça là, ça m'intéresse. Est-ce qu'on a un accord avec elle hein? Asseyons-nous et discutons. On n'a pas d'accord. Parce que je rappelle que elle nous a honteusement piqué Enei. Enfin, elle a piqué Enei à celui qui nous l'avait honteusement pris. On va peut-être en profiter pour du coup, vu qu'elle a quitté la. Qu'elle a quitté le. L'alliance, pour essayer de lui prendre.
Donc, est-ce qu'il serait pas temps de monter une nouvelle armée? Moi, je pense que si. Alors, avant toute chose, ça c'est notre allié. On va lever une armée ici. On va faire venir Zhengfei. Gloire à la Chine! Alors pourquoi me direz-vous? Il est où? Il est là. Zhengfei est là. Parce que du coup. Putain, il va falloir que je recrute toutes les unités. Parce que du coup, je voulais transférer Zhengfei à la place de lui. La lance de Zhengfei est avec vous, Altesse. À la guerre. Toi, on va te mettre là. Restez l'est. Et toi, ben on va voir ce qu'on va faire de lui. Alors. On va du coup virer ses troupes. Hein. On va mettre quelque chose d'un peu plus efficace à la place. Service, Altesse, alors déjà, toi, au niveau de l'équipement, tu avais ça. On va te mettre soit ça, soit la lame croissante du dragon vert. Ça me semble mieux ça. On va lui mettre cette arme-là en cheval, un cheval qui donne de l'instinct. Celui-là. Partisan. Ça serait pas mal, un architecte. Pour lui donner plus d'expertise et de détermination. Histoire qu'il tanque plus. Et en accessoire, on doit avoir. On a rien de mieux que ça? Non. Si on a ça. Voilà. Ensuite, au niveau des troupes. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui mettre? Faudrait lui mettre du coup de la cavalerie. Si la montagne est trop haute, contournez-la. Milice montée armée de lance. Ouais, on va mettre ça à la place. On va mettre 4 unités de cavalerie. Ah non, je veux pas qu'il shoot ça. 4 unités de cavalerie. Et derrière, on pourrait mettre des dragons d'azur. Ouais, mais les dragons d'azur, ça n'a pas la formation en bouclier. Je préfère cette unité-là pour la peine. Ok. Donc, Faye, on n'a pas plus. Toujours plus haut. Toi. Tu as 39 ans. Donc, toi, lui, il va faire partie de l'autre armée. Donc, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On peut lui mettre ça. Octogonal staff. Ou alors il y a ça. Tiens. On va lui mettre la lance du serpent. En armure. On va lui mettre ça. On va plutôt lui mettre ça, tiens. Voilà. En monture, ça. Grosse monture. Ouzoui. Gros cheval. Détermination, autorité, chance d'éviter d'être capturé, plus un bonus de charge. En partisan, on a ça. Un paysagiste qui va lui donner de l'expertise et de la détermination. Et en accessoire. Il a très peu d'expertise. En accessoire, on peut lui donner l'art du commandement. Ou alors, on peut lui donner l'art du commandement. Il aurait vraiment beaucoup de détermination. Ça manque d'instinct quand même, cette histoire. Non, on va plutôt donner ça en cochon de pierre pour qu'il ait un peu plus d'instinct. Ok. Donc lui, il n'a pas des perks pour... S'il a que cette perk pour s'il commande cette armée. Ensuite... C'est dommage, hein. Mais ça, faut que ça dégage. Hein.
Va y falloir un général bleu. On n'a pas assez de points. On n'a pas assez d'argent. Qu'il est bon de voir la terre débordée de vie. Restez pur. Bon, ça, ces unités, du coup, on va les virer. Ça sert à rien de les garder. On verra au prochain tour ce qu'on lui mettra comme... comme arme. Loubou. Où tu peux aller, toi? Est-ce que tu peux aller jusqu'à ma ville? Non, il peut pas aller jusqu'à ma ville. Donc, Loubou. On va l'amener. On va l'amener jusqu'ici. Loubou, on va essayer de lui faire prendre cette colonie-là. À Farfagaf, où se trouvent les armées de Zhengjiang aussi. Hein. On va attendre. Toi, on va te mettre là. Tu vois un petit peu où elle est. On va voir. On va voir ce qu'on va faire au prochain tour. De toute façon, là, on est obligé de passer, donc il n'y a pas le feu. Pour Zhangfei, ça va mieux. Il est plus en manque d'objectifs. Tu sais, il est toujours en manque d'objectifs. Bon, ça va s'arranger. Au niveau du Premier ministre, on n'est pas obligé d'en mettre encore, donc on va voir. On va voir un peu plus tard. Lui, il essaye de s'enfuir tant bien que mal. De toute façon, il a plus de... Il a plus de territoire, donc son armée va petit à petit s'amenuiser. Préparez vos forces. C'est la guerre. Contre Douzi. Douzi. C'est lui, c'est le Nanman. Si tu veux. Préparez vos forces. C'est la guerre. Oui, vas-y, Mateng. Va aller le combattre. Hein. Y a pas de problème. Ou alors je la backstab, je l'attaque maintenant. Si je lui déclare la guerre maintenant, j'ai ces deux armées qui sont à portée, donc je peux aller les détruire à la seconde en fait. Hein. Est-ce que je peux la vassaliser? Bon, il n'y a pas besoin de vassaliser, on veut récupérer notre territoire. Lui, il a quasiment plus de troupes. Je peux toujours pas atteindre mes territoires. Alors. Détruisez la corruption. Cette arme ici, on a dit qu'il fallait un stratège. 82 ans ? Bon, c'est possible. Ah, 65 ans, Louis Chang. Il est presque cuit. Par contre, un petit général violet, ça mangerait pas de pain. Il n'y en a pas de disponible. Bon. Lui, en attendant, on va lui mettre... On pourrait lui mettre des dragons d'azur, mais... je préfère une bonne ligne de défense.
Voyons voir. Bienvenue, camarade. Ah ouais, camarade. Allez. Ah. Ah. Elle s'est alliée avec pas mal de personnes. J'aurais dû l'attaquer dès le tour d'avant en fait. Ce par exemple, là, je veux juste vérifier. Si jamais je déclarais la guerre, est-ce que ça me mettra en guerre avec à peu près tout l'univers? Wally. Bienvenue, camarade. Toute guerre visant un suzerain ou un sujet vassal entraînera des représailles de la part de chacun des parties. Envoyez donc vos forces, nous les écraserons. Donc là, je suis en guerre juste contre elle. Ah ben voilà, ben c'est ce que je voulais. Je ne suis pas en guerre d'alliance, je suis en guerre d'alliance contre Doozy. Mais pas contre le reste. Elle est toujours alliée avec eux. Ils pourraient se retourner contre moi, mais... Tout va bien. Voilà. Donc on va vite la dégommer. Alors. Toi. Écrasez-les. J'ai des alliés. Ah bah oui, j'ai la garnison à proximité. Il a encore envie. À 10 000 contre eux, il a encore envie. Malins. On l'a capturé. Général rouge, 49 ans. Non, on va libérer. Les garder revient à cacher nos ressources. Ah. Ingéniosité, expertise plus ruse, élégance et instinct. Non. Nous ne sommes pas des barbares. Il nous faut de bons guerriers. M'intéresse pas. La sagesse guide. Au front ! Allez. Une armure moins. Un esprit vif évite un coup violent. On l'a recapturé. On le relibère. Relâchez-les. Ils nous sont inutiles. Restez ouverts pour réagir avec promptitude. Toujours de l'avant. Alors toi tu vas te mettre ici. Pendant ce temps, Loubou, qui est juste à côté d'elle. Bataille nocturne, on délègue. Elle a pas de troupe. Bonne nuit. La victoire était assurée. Alors 37 ans. Ah. Il nous faudrait un général rouge. Et toi, tu m'intéresses. Oh, il est bien. Allez, tu fais partie des nôtres. Et vous survivrez. On va reconstituer pour la loi. Et toi, bah du coup, tu vas avoir au prochain tour, il aura Sun Jiao. Très bien. Ensuite, Général Bleu. Il n'y en a pas des nouveaux qui viennent d'arriver? Non. Dommage. Bon, on verra au prochain tour. Qui a pris un niveau? Ah, notre seigneur a pris un niveau. Han Hanwei. On pourrait lui mettre ça pour qu'il y ait plus de dégâts perforants pour l'armée. Et voilà, c'est tout. Ou ça pour le régiment. Je préférerais plus de dégâts pour les archers. Toujours plus. Pour le peuple. Loubou, il va commencer à remonter. Et toi, tu vas me dégommer ces armées là. Et on va faire la bataille.
Je pourrais faire une bataille nocturne. Vous ne pouvez pas engager une bataille nocturne pour ça. Notre armée doit être commandée par un stratège dont la compétence bataille nocturne est déverrouillée. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas de stratèges qui ont cette technique, donc... Ah oui, c'est vrai que cette armée, elle n'était pas folle, en vrai. Bon, ça va quand même le faire, hein, du fait que j'ai une grosse cavalerie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les flèches de feu, et c'est vrai que j'ai encore ces archers nuls. Prenons rapidement ces territoires là, comme ça on sera débarrassé. Les balistes, si je vous mets là, vous avez la portée? Non, pas du tout. Ça, voilà. Les guerriers H, on va les mettre sur le côté pour le débordement. Chen Wu. Ah, c'est vrai que c'est une armée vraiment toute fraîche. Mais c'est bien, ça change un peu. On va les planquer dans la forêt. Attention, les renforts ennemis sont là. Donc eux, ils sont vulnérables aux lances, donc faut faire gaffe. Par contre, ils sont vulnérables aux lances et aux autres types de cavalerie. Hein. Donc les cavaleries armées de lances. Par contre, eux, quand il s'agit d'aller dégommer les troupes de l'infanterie, ils sont pas mal. Hein. Évidemment, ils vont pas aller vers moi et ils sont résistants aux projectiles. T'as quoi comme compétence? Activé, on met les phases 1, 15 secondes, phase 2, phase 3, phase 4. Donc lui, plus il est au combat. Et plus il est efficace. Et toi, t'as... Ah, pour réduire l'évasion en mêlée des ennemis autour et leur armure. 100% d'armure de réduit. Ça, c'est... C'est pété, ça. Contre l'infanterie lourde... C'est le pas! Au pas de course! Pas besoin de se presser. S'ils veulent pas venir vers nous. Y a pas de souci. Stop. Par contre, on va mettre les lanciers sur la droite parce que la cavalerie serait foutue de m'attaquer par là. Ça, faut dégommer. Chasseur bandit, c'est à dégommer ça. Pas de soucis, ils peuvent venir ici, la cavalerie. Ils vont se prendre une petite surprise. Non, on va pas faire le duel. On n'est pas sûr de notre général encore. Voilà. On élimine un bon morceau de la cavalerie, comme ça. Comme ça, là. Votre mieux ne suffit pas. Cessez-vous parfois. Alors. De parler. Archer, préparez-vous.
tirer sur ça là. Non, non, je décline la proposition. C'est gentil, mais non, merci. Regardez-les fuir! Lâche! Allez. On commence à déployer notre cavalerie sur leurs archers. Par contre, faites un bon contournement. Bon gros contournement, parce que là, les lanciers vont vouloir. Ils vont vouloir m'attraper. Y'a pas de soucis. Allez, ils ont beaucoup d'archers. Y'a pas de problème. Et toi, tu actives ta compétence. On attend que l'UTH arrive. Plus d'évasion de mêlée pour eux. Vous enlevez le mode dans lequel ils étaient. Allez, on contourne. Taisez-vous et battez-vous, imbécile. Les baïstes tirés sur ces unités-là. Vous revenez. Toi, tu peux aller dégommer, y a pas de souci. Allez, la cavalerie, on continue. Remuez-vous. Les guerriers ennemis déguerpissent. Toi, tu vas attaquer ce seigneur là. Y a plus de cavalerie normalement, si je dis pas de bêtises. Hein. Ah merde, je sais pas comment on fait. Vous semblez avoir du mal. Besoin d'aide? C'est tout? Allez, hey, la cavalerie. On poursuit, on poursuit. Toi, tu vas choper la stratège d'en face. Si on pouvait la capturer, ça pourrait être éventuellement une bonne idée. Niveau 5, oui. Si elle accepte de rejoindre notre armée, on la prend, je pense. Hein. Et ben voilà. Facile. Un fight qui s'est bien passé. Guerrier, écoutez-moi. Pas non mais elle est là. Hein. Guerrier, écoutez-moi. Allez, on accélère. Parfait. On n'a plus de munitions. Préparez vos armes. Oh ben y a pas besoin de plus de munitions, on s'est gagné. Hein. Putain, mais elle a combien de PV elle? Tu arrives à la toucher ou... Ah, j'ai oublié d'utiliser ça. Nous avons tué un général ennemi. Bon, on a chopé le rouge au moins. Elle s'est enfuie. Ben voilà. Pas de problème. Il y a que lui qui nous a fait un tout petit peu de dégâts, mais ouais, on voit que la cavalerie, ils se sont bien fait plaisir sur les archers d'en face. Hein. Ils ont bien tenu la ligne, c'est tout ce qu'on leur demande. Eux aussi, ils étaient là pour couvrir au cas où s'il y avait la cavalerie qui essayait de nous attaquer. Et les archers d'Onyx qui, comme à leur habitude, font ce qu'il faut. L'autorité écrase ceux qui la rejettent. C'est peu de pertes, hein. On peut prendre l'argent. Non, on va reconstituer. Exécution. Derrière, il y a l'autre ville à prendre. Duel. Après la victoire, notre officier en charge pourchasse le général ennemi afin de le défier en duel. Sous le regard médusé des troupes, les deux chefs s'affrontent, chacun faisant la démonstration de son art. Au bout d'une longue et impressionnante joute, notre général triomphe en fait. Ok, c'est l'archer qui a gagné. Résister au chaos du changement. Ah, les flèches de feu. Parfait. Parfait. C'est tout ce qu'il nous fallait. Cette épée, on la garde pour notre fils. Hein. On lui a donné ce cheval, mais est-ce qu'on n'en aurait pas un autre hein? Non. Toi, t'es équipé. On dirait qu'il est équipé, lui. Ouais. Toi aussi, je t'avais équipé. Oui. Oui. La belle monture, feu céleste. Ok. Soyez ferme. Il ne reste plus qu'à aller prendre la colonie. L'autorité est rétablie. Allez, une de moins. Nous devons jeter les bases de la reconstruction.
Une de moins. Où se trouve Lubu? Lubu, il est là. Je pense que Lubu, on va le faire remonter pour que... Frappez vite. Pour qu'il attaque Enei. Toi, tu peux pas bouger ce tour-ci maintenant. Y a pas d'armée qui traîne. Y a juste celle-là, de Lubian. De toute façon, ils vont crever tout seul. Hein. Toi, au prochain tour, tu pourras recruter. On va peut-être garder un petit peu d'argent quand même. Oh, quoique. Allez. On va juste monter cette colonie et on va garder le reste de l'argent pour pouvoir recruter des officiers pour cette armée-là. Ça me semble être plutôt une bonne idée. Allez, on passe au tour. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va sortir des armées ici pour m'attaquer ces provinces-là? Lui, c'est mon vassal, le Sun Tse, donc il n'y a pas de souci avec lui. Mais en vrai, elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Elle n'aurait pas pris ce territoire. Bah, on l'aurait pas attaqué. On l'aurait laissé tel quel. Hein. Mais non, on va aller prendre mon ancienne capitale. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi, là, qui se balade, hein? C'est des turbans jaunes, ça. Je reconnais. C'est des gilets jaunes d'avant, ça. Alors... ça a entraîné Shamrock dans une guerre de procuration. Avec qui? Avec notre Danman, avec Juzi. Yaksu a signé un traité de paix avec Duché du Wei. Ok, ça concerne surtout les Danman. Alors, on améliore notre relation avec qui? Avec Shen Wu ou Wang Hong? Je pense qu'on va plutôt l'améliorer avec Wang Hong. Mais... C'est mieux. On va te mettre en mode marche, toi, par contre. Préparez-vous à partir. Vous, on va en profiter. On va juste échanger cette unité pour mettre des dragons d'Onyx. Ouais. Et lui, où est-ce qu'on pourrait le mettre? Lui, on va le remonter. Au cas où, si à cette énergumène, lui viendrait l'idée de venir nous attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il devient? T'as toujours des alliés? Non, t'as plus d'alliés, t'es en guerre avec tout le monde. En guerre avec tout le monde. Oui. Ok. Donc ça, c'est bon pour l'instant. Toi, est-ce qu'on peut te recruter, Seigneur Bleu? Est-ce qu'il y en a un qui est arrivé? Bon, déjà, on peut te recruter, lui. Hein. Donc ça, c'est oui. Attention. Et ensuite, Seigneur Bleu, on a Judan qui a 82 ans. Non. Personne. Donc du coup... Cette armée va servir à défendre le temps qu'on lui recrute de vraies unités. On va lui mettre du coup de la cavalerie à ce seigneur. Bref, ça. Pierre Bandit. Non, je veux pas. Je veux que ça soit homogène cette armée. Qu'il est bon de voir la terre débordée de vie. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre d'autre, hein? Bah tiens, on va mettre les fameux dragons d'azur. Ils ont une utilité, hein. Ils sont polyvalents. Ils ont une arme à distance, donc du coup, en deuxième ligne, ils sont très très bien. Soutenez. Dites-moi voilà. Ce qui s'est passé en mon absence. Mettez-vous dans la ville. Je laisse au bout, au cas où, si jamais il y a une guerre surprise qui se déclare.
Alors, ensuite. Pour la Allez, ces turbans jaunes, là. Oh, il y en a beaucoup des turbans jaunes. Hein. Qu'est-ce qu'il fout? Faudrait qu'il aille les dégommer une bonne fois pour toutes. Hein. C'est quoi qui tiennent? Ils tiennent ça. Ah ouais, c'est une grosse ville, quand même. Alors... On est où? C'est où qu'il n'y avait pas de construction? À Guangyang, ok. Guangyang, de la bouffe, on en a beaucoup. Donc ça, on va le péter. En plus, il y a un village d'artisans ferronniers. Donc évidemment qu'on va mettre tout ce qui booste l'industrie. Hein. Capacité de réserve... Pas fou, en vrai. Je sais pas trop ce qu'on pourrait mettre à la place en attendant. Donc... On va le laisser, mais c'est sans grande conviction. Revive le vent. Vive le vent, vive le vent. Bon, je te fais juste un petit résumé de ce qui s'est passé. Rapido. Comprennent. Donc il y a elle qui a... On a fait une alliance militaire avec tous les membres de ma coalition, sauf qu'il y en a une qui n'a pas accepté, c'est elle, Zhengjiang. Zhengjiang, ça tombe bien, parce que du coup, je voulais la taper pour pouvoir récupérer Enei. Elle voulait pas me la refiler, c'était mon ancienne capitale, et c'était mon but, là, de récupérer cette promesse. Du coup, on est en train d'aller là... On est en train... du coup, on a déclaré la guerre derrière... Et la sortie de la coalition. Quand elle a quitté la coalition, on lui a déclaré la guerre derrière. Et là, on est en train de lui péter la tronche. Il y avait deux armées à elle, dont elle-même, qui était à disposition juste à côté de moi. Du coup, j'ai un peu déclaré la guerre vivement. Pour pouvoir lui casser les deux armées. Ce qu'on a fait, et maintenant, on est en attente. Enfin, on est en attente. J'attends que mes troupes se déplacent pour qu'on aille et conquérir ces différents territoires. Elle avait celui-là. Loubou, il va aller récupérer Enei. Et lui, très certainement, qu'il va remonter. Là, j'attends juste un petit peu parce qu'il y a les turbans jaunes qui passent pas très loin. J'ai peur qu'ils sortent de la rivière pour venir m'attaquer. Ou du moins pour essayer de récupérer mes territoires. Donc, je reste par là. Liandong, qu'est-ce qu'on fait avec toi, là? Et c'est la paysannerie qui pourrait rapporter ici. On va essayer de partir sur des revenus paysans de ce côté-là. Ici, on peut le booster. On va le booster. Pingouin, c'est quoi? C'est l'industrie surtout. Il y a un truc pour booster l'industrie. Normalement, il y a les forges. Ça. Forgeron. Et après... Ça, on est où, là? On est là. Zhengjiang. On peut péter ça. Qu'est-ce qu'il fait? Non, on va pas le péter, en fait. On va le garder pour que ça garde un bon ordre public. Et ici, c'est production de nourriture. Et on avait fait un petit commerce. Donc, on va booster le commerce. Hop là. Voilà. Et on va passer le tour. Voir comment ça se passe. Là, il y a tellement de turbans jaunes qui sont en train de sortir de ce coin. Mais mon allié, il les dégomme pas, donc... forcément. Je ne sais qui s'avance. Est-ce qu'il serait pas en guerre avec elle, du coup, vu que je suis en guerre, hein? C'est possible, hein. Pas la machine à laver. Voilà.
avance, tu vois. Où ils vont, eux? Ah, ils se déplacent à la droite. Hein. T'as tous les DLC? Non, il me manque le tout premier sur les turbans jaunes. Et il me manque aussi celui de... des Nanman. Mais Nanman m'intéresse vraiment pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jungle bitch. Personnage recruté. Oh! L'unité se rapproche. Qui c'est? Oh! On a recruté deux seigneurs. Ça c'est le DLC ça. Enfin c'est le DLC, ça c'est le mode qui rajoute. Ah ben bon je prends. Hein. Je prends. Auxiliaire, serviteur sournois. Alors toi. Contemplez tout. Toujours plus loin. Toi, tu vas te mettre ici au cas où si l'autre lui vient l'idée de venir nous attaquer. Toi, Loubou. Alors, on voulait voir juste. Est-ce qu'elle était en guerre du coup avec Sun Tse, elle a... Yuan Shu, ça c'est ses alliés. Elle est en guerre. Liu Bian, duché de Wang Yang, Liu Biao, révolte turban jaune. On n'est pas en guerre contre Sun Tse. Ici, elle est en train de reformer son armée. Lui, on va l'envoyer conquérir Enei. Oui, il est le bout. Le bout toujours en marche forcée. Il faut qu'il passe la rivière. Et qu'il se dirige de ce côté. Pour aller prendre les territoires en haut. Qui a pris un niveau? Ah, toi, t'as pris un niveau. Qu'est-ce qu'on pourrait te mettre? Plus d'évasion de mêlée pour l'infanterie. Pour le régiment, ben c'est parfait. C'est parfait, c'est que de ça, son régiment. Ensuite. Est-ce qu'on a un seigneur à recruter? Bon, c'est con, on vient juste de le recruter, lui, qu'il y ait ces deux-là qui viennent d'arriver. Je les aurais bien mis dans une armée. Bon, on les mettra ailleurs. On les mettra ailleurs. Hein. Toujours pas de seigneur... de général bleu. On approche. On en est où au niveau du réseau dissimulé? Oh, elle est très bien, là. Construis donc un réseau dissimulé. Vas-y. Oui, on valide. Bien, on met-en un coup. Discrédite. Tu peux discréditer qui? Toujours Zhang Liao. Tu peux pas? Attendez, ça doit bugger. Mais... Pourquoi elle peut pas le discréditer? À 7 points. Événement récent. Ah, parce qu'il y avait un événement récent. Ok. Il y a Guan Yu. Oh le ouf. Mais Guan Yu, il est trop content. Il y a une promotion et salaire. Ah ouais. Laisse tomber Guan Yu, on pourra jamais le faire sortir de là-bas. Bon, il y a elle-même. C'était quoi ces perks? Est-ce que ça serait pas intéressant, justement, de la refaire revenir? Pour la rajouter à notre armée. Elle est niveau 4. Hein. Des loyautés à cause de... Parce qu'elle veut un poste supérieur. Hmm. Je la mettrai pas trop dans une armée quand même. Hein. Donc on va la laisser en espionnage. Alors qui c'est que tu pourrais discréditer? Oh, il y a l'héritier. Tambian, Kaiwan. Ils seront tous trop contents. Ah non, lui, il est pas très content. Il est moyennement content.
Bah pourquoi elle peut pas le faire? Bah pourquoi? Tu le sais, vive le vent, pourquoi elle veut pas... T'as une idée? Attends, je fais ça, je prends, je sélectionne le général. Non. Elle peut rien faire, hein. Bon, attends, on verra. Dynamiser le commerce un peu, ouais. Faire force un peu. Construire un réseau dissimulé, elle pourrait. Discréditer un personnage. C'est peut-être qu'il faut que ce soit quelqu'un de son armée. Ah ouais. C'est très certainement ça. Elle l'a pas à proximité. On va laisser comme ça récupérer quelques points en plus. Qu'est-ce qu'il fait le deuxième? Il est chez Iwanchu, c'est vrai. Alors attendez, hop. Construire un réseau dissimulé, vas-y, on augmente ça. Oui, on valide. Qui c'est que tu pourrais discréditer, mon gars? Ryakuja. Il y a Gujia récupéré. C'est un bon général bleu, ça. Bon, tant pis, sa satisfaction est à fond, mais on va tenter. 15, 35 plus 10, on a assez. Alors, Gujia. Un peu la gueule, hein. On pourrait encore. On va attendre, hein, parce que ça se cumule pas. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Comment il commande une armée? Falsifier les ordres de marche. Fuiter les ordres de marche. Refuser ravitaillement. Infiltrer armée. Ah, d'accord. On va le laisser reconstituer ses points aussi. Hein. Ok, les espions commencent à faire leur taf. Par contre, eux, ils me gênent. Eux, je sais pas pourquoi, je sens qu'ils vont être chiants. Elles ont un niveau. Elles sont exactement pareilles. Hein. Mais il y en a une, elle va partir sur la gauche. On va leur mettre les mêmes perks. Hein. Non, pas exactement les mêmes. Pour l'instant, ils ont l'air de bien aller. On verra par la suite ce qu'on en fera. Je vais pas les mettre dans la même armée après. Ça ferait tâche de général vert. Au niveau de la tunasse. Attendez, au niveau de la cour, y a personne à recruter là. Putain, c'est chiant. Et 17 ans, Mazzi. D'accord. J'ai que des vieux en général bleu, je peux pas les prendre. Ouais. Et lui il a 37 ans mais il est niveau 1. En plus il a des trucs dégueulasses qui y vont pas du tout. Non, on va attendre. On va attendre pour recruter un autre général bleu. Ok. Du coup on va construire. Penguin. On va mettre ça pour que cette province soit autosuffisante. Toujours plus de bouffe. Die. Allez. Voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui va se passer ailleurs? Bon, JO. Ça marche. Merci d'être passé violent. Acceptez cela avec la même disposition. Demande à rejoindre l'alliance militaire. Le duché du Wei demande à rejoindre votre alliance militaire. Ah, mais ils l'ont quitté. Très bien. Ils ont quitté notre alliance, le Wei. Ah, j'avais pas vu. Ah, donc c'est free. Je pourrais aller lui casser la gueule plus tard. Y a pas de problème.
pas de problème pour ça. Où est-ce qu'ils vont? Tu paries qu'ils vont. Ils vont sortir chez moi, j'en suis sûr. Juste pour m'emmerder. À moins qu'ils en veulent à Tao Chang, hein. Alors, Manguo qui a déclaré la guerre au duché du Wei, faction détruite, Liu Xun. Qui a détruit Liu Xun? C'est Yuan Chu. Ça ne me plaît guère. Et Yuan Chu, il y a rien qui commence à avoir quelques propriétés. Il a ça, il a ça, et il a ça. Notre vassal, il a ça, ça sert à rien de le prendre. Ouais. Réforme. On n'a pas le bâtiment qu'il nous faut, bâtiment déverrouillé. Bah si. Ah, il nous manque celui-là. D'accord. Bon, plus de reconstitution, c'est toujours oui. Auxiliaire obtenu. Rivaux. D'accord. Alors, les armées. Bon, toi, il faut. Toi va me le dégommer, lui. Va me l'attraper du bien, qu'on n'en parle plus. Restez pur. Aucun général bleu. Très bien. C'est la loose. Personne veut. Pas de stratège en vue, c'est relou. Bon, cette armée, c'est pas trop grave parce qu'elle est pour l'instant, elle est placée en défense, mais faudra vite qu'à l'avenir, on débloque ça. Hein. Chassez les doutes, marchez pour le bien de l'ordre. Je n'en ai qu'une. Moi, c'est plus ces turmans jaunes qui m'inquiètent. Hein. Tant pis. Hein. Loubou, il attaquera Enei et lui, il va suivre de loin l'évolution de ces armées-là. Voir s'ils viennent chez nous ou s'ils vont aller plutôt du côté de Tao Chang. Bon, pas dans ce temps. Qu'est-ce qu'on avait décidé de faire ici? On avait décidé de faire de la paysannerie. Okay. Ensuite, ici, ouais, on peut augmenter ça, donc on va le faire. Et est-ce qu'on a de la tube? Oui, on peut augmenter ça. Non, on va attendre. Là, par contre, la Nyang, c'est quoi? On avait dit que ça serait des revenus industriels. Donc, on va mettre ça, histoire de le booster un petit peu. Industriel et commerce. Bien. On a plus de thunes. Bon, faut que Loubou, il prenne vite Enei, hein. Lui, il reste planqué. Mateng et Ansui. De fidèles alliés. On a bien fait de s'allier avec eux. Ouais, j'aimerais bien intercepter cette armée une fois pour toutes. Yuan Chu qui se rebelle. Hein. Il se laisse pas faire. Hein. Il est à dos de crever. Et puis là, il est en train de récupérer petit à petit quelques territoires par-ci par-là. Oh oui, il m'emmerde par contre les turbans jaunes. Faudrait que j'arrive à
à les intercepter. Alors, ça a demandé les Nanman qui se liguent tous contre le Wei. Hansui qui a signé un traité de paix avec Jaxu. Ça déclare la guerre à Liu Biao. Majorité, ah, notre fils, ça y est. Notre petit, notre enfant est devenu grand. Un autre seigneur de guerre s'est proclamé empereur. Est-ce le décès du ciel ou le fait d'un ignoble traître devant être exécuté? Ah, l'empereur s'est enfui. Ah. Non, notre empereur s'est barré auprès du Wei. Ah. C'est relou, ça. Le royaume du Wei. Parce qu'ils ont un prestige qui est plus grand. C'est chiant. Du coup, j'ai mes provinces qui font la tronche. Hein. Ça dure combien de temps? 5 tours. Hein. Va falloir surveiller l'ordre public. Hein. Oh, les relous. Qu'est-ce qu'il y a? Point de compétence, ça. Chef d'armée, hein, lui. Donc, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Activité active disciplinée pour le régiment. C'est une idée. Plus de ruse et plus d'autorité. Ouais. Plus de dégâts perforants mêlés pour l'armée. Il n'y a plus de perks hein, pour le fait qu'il commande, donc on n'est plus obligé de se diriger vers ça. On pourrait lui donner ça. Ou ça. On va plutôt lui donner ça, tiens. Ensuite. Royaume du Wei. Il va nous poser problème, le royaume du Wei. D'ailleurs, notre espion, là, qu'est-ce que ça donne hein? Tu ne peux discréditer personne. Hein. D'accord. Fais les ordres de marche, fais tes ordres de marche. Ouais. Pas grand chose, on va la laisser telle qu'elle. Notre autre espion. Pas assez de points encore. Un autre général a pris un niveau. Ah ben c'est notre fils. Ah, il a les flèches de feu de base. Meilleur fils. Ah ben tiens, on voulait un stratège pour l'autre armée. Tu peux l'éteindre, s'il te plaît. On va lui mettre du coup ingéniosité et précision qui augmente les dégâts de l'armée et qui donne une meilleure cadence de tir. Ça qui active le tir incendiaire. Voilà, c'est parfait. Du coup, on va lui mettre l'épée Zenlu. Qui donne plus de ruse. On n'a pas de meilleure robe pour lui. On a l'éléphant. Qui attendait bien sagement l'éléphant de son père. Hein. On va lui donner une concubine pour qu'il y ait plus de satisfaction dans... On va lui donner ça pour que mes généraux aient plus de satisfaction. Ça tombe assez bien. Ou alors on peut lui donner ça, plus d'expertise. Je sais pas. Combien ça ferait? Est-ce que ça ferait un gros boost? Ouais, boost de 400. On va plutôt lui donner la concubine. En plus, elle a de la ruse. Donc du coup, ça va permettre d'avoir plus de flèches pour notre armée. Et on va lui donner l'arc de Wang Fufeng. Qui donne plus de munitions pour son régiment. Donc du coup, Lokun. Lokun va partir dans cette armée-ci. Quand vous bandez l'arc, retenez votre souffle. On avait dit que du coup, ça serait Lokun qui commanderait. La prudence est une habileté.
On va lui mettre évidemment des dragons d'onyx. Mais celui-ci, on va lui mettre des trébuchets. Parce qu'il a les compétences pour avoir les boules enflammées. Cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Dragon d'onyx, dragon d'onyx. Ok. Il va y avoir les rochers des trébuchets enflammés. Voilà. Ensuite. Terrible. Ensuite, vous, comment ça va? Vous désirez un poste plus élevé? Ouais, bon, ça va. Il faut le marier. Il faut le marier, ce petit Locoon. Alors, faisons le tour. Mateng. Notre cher Mateng. Tout l'honneur est pour moi. T'as personne à marier? Oh là là. Ou Ansui, peut-être. Ansui. Bienvenue. Asseyez-vous. Oh, oh. Personne ne veut se marier. Ah, mais Ansui, il a quitté la coalition aussi. Ah ouais, d'accord. J'ai même pas fait gaffe. Hein. Je te vassalise, ça te va? Vassalise. Attendez, là, il y a un truc. Si on peut vassaliser Ansui, c'est gratos. Hein. Je t'offre un échange de nourriture. Bon, on va pas aller jusqu'à 50, mais... 15, c'est pas mal. Hein. Je t'effectue un petit paiement. On peut y aller. On peut y aller sur le paiement. On a un bon income, donc... Je n'hésite pas. Tiens, 2-3 auxiliaires. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner? Un berger. 2 serviteurs sournois. Et un artisan. Qu'est-ce que t'en dis? Te faire un petit paiement régulier. Voilà. Paiement régulier, ça t'intéresse. De pas grand-chose. Voilà. 330. Ah, d'accord. 331, alors. Non? Oh, il est pas chaud. Ansui. Pas le malin. Il y a un gars avec qui? Avec Liu Bian, Liu Biao, Angui et Wanshu. Allez, 333. Allez, vendu. Si telle est votre volonté. Allez. Faites la paix. Comme vous voudrez. Ouais, certes, on lui fait un paiement régulier, mais vu que c'est notre vassal, il nous rapportera plus. C'est entendu. Ben oui. Il nous rapporte bien plus. Hein. Est-ce qu'on a d'autres vassaux à faire, d'ailleurs? T'es un peu loin, toi, pour que je te vassalise. Ok. Ensuite, tu veux la paix? Encore vous? Est-ce que t'as des choses à me donner? T'as de l'argent à donner. Combien tu pourrais donner, Max? Ma femme qui n'en revient pas. Attendez, on pourrait faire la paix avec lui, mais est-ce qu'on peut pas l'attaquer? Si, on peut l'attaquer. Hein. On va plutôt l'attaquer. Je préfère l'achever. Pas de perte, donc on va déléguer. Hein. Voilà. On en termine avec cette faction. Un esprit vif évite un coup violent. Et on rançonne. Faction détruite. Ah, on n'est pas chez nous là. On bouge. Ah, faut retourner. Ménager à la maison. Hein. Bon. Retourner à la maison, monsieur. Ok. Donc on a récupéré un peu de thunasse. Donc on voulait marier notre fils. Donc, du coup, Mateng était pas trop chaud. Donc, Min, il fait toujours partie de l'armée. Hein. Il fait toujours partie de l'Alliance, hein. Oui. D'ailleurs, niveau diplomatie, faisons un tour. Ouais, donc, ça, tout ce qui est vert clair, ce sont nos vassaux.
Bleu, clair, ce sont nos alliés. Rouge, ce sont nos ennemis. Il me saoule là. Faut que je les intercepte. Hein. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut trouver femme ? Tout l'honneur est pour moi. Non. Je suis pas trop chaud pour du biao, parce qu'on va lui déclarer la guerre. Toi, tu as un plaisir de vous voir. Il y a personne pour mon fils. Bienvenue, camarade. Non plus. Ah, un bot qui a été banni. Bienvenue, camarade. Dame Liu. Oh là là. Bon, on va voir quel tout le monde. Quel plaisir de vous voir. C'est un plaisir de vous voir. Non, y a personne pour mon fils. Bienvenue, camarade. Un plaisir de vous voir. Parce que là, idéalement, en fait, mon fils, on le marie quel de suite. Quel plaisir de vous voir. Pour ça, plus vite il est marié, plus vite il a des enfants. Bienvenue. Plus vite venez il a donc des enfants, plus vite on peut leur mettre des... Tout l'honneur des est des pour équipements pour booster... Pour booster nous la. Bienvenue, camarade. La faction. Bienvenue. Venez donc. Bonjour. Excellent. Parlez. Empire des Hannes. Quelle joie de vous voir. Vassalisé Empire des Hannes. Ils sont pas déjà. Ah oui, ils sont plus vassals. Ce sont plus mes alliés. Parce que du coup, ils font partie du royaume du Wei. J'avais oublié. Wang Jiang. Bienvenue, camarade. Je te fais la paix. Et Non, je vais pas faire la paix quand même. Soyons pas fous. Ok, y'a personne. C'est con. Hein. C'est con, y'a personne. Hein. Du coup, elle, on va la remettre administratrice. Vu qu'elle a occupé longtemps le poste de chef de faction. Allez, bon ailleurs. Sinon, on peut le marier en interne. C'est bête, mais on peut faire ça. Quoi, il a pas l'âge ? Rechercher un conjoint parmi les prétendants ou prétendantes légitimes, mariés. Choisir un conjoint. Ah. Attendez, on va juste sauvegarder parce que au moins je vais avoir le choix avec qui il va se marier. Et j'ai une petite idée du coup. Arbre généalogique. Marié. Pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début ? Voir directement. Oh, y a personne à marier. Personne. Ok, mais ça va être une des deux bandits. Zoumeng ou Zoutou? Ça sera Zoutou. Voilà. Ans. Ça va. C'est vieille que ça. Parfait. Et en héritier, ben personne pour l'instant. Aucun héritier. Elle est contente, la bandit, elle arrive. Bonjour, je suis une bandit, mais je suis gentil. Hein. Bim, on la marie direct avec le seigneur. Félicitations. Ah bah elle va être contente. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Allez hop. On récupère Ney. On va pouvoir se concentrer sur le nord. On va capturer. Encore ?
On va libérer. Laissez-les fuir pour attester de ma clémence. Donc ça, c'était notre ancienne capitale. Bah, on voit que d'ailleurs les bâtiments n'ont pas bougé. Ils sont exactement les mêmes. Ils sont pas fait chier. À la guerre. Va ici là. Si jamais ils remontent, on pourra les intercepter comme ça. Et après niveau, Lu Kang. Pourquoi? Parce que tu t'es marié? Chance d'éviter une embuscade pour l'armée. Expérience de personnage plus 10% pour l'armée. Plus de dégâts sur les murs et les colonies pendant les sièges. C'est oui. Et plus de chances de capturer les officiers après la bataille. Bon, il va falloir lui trouver une nouvelle armure. Hein. Ça va pas du tout. Pas du tout. Là, il a une attente. Et on va le remonter. Ok. Je pense qu'on peut passer le tour. Hein. C'est bon. Il n'y a pas de colonie où l'ordre public est extrêmement bas. S'en sort bien. Nous en tirerons un profit mutuel. Il veut qu'on déclare les gars à Shamok. Il est où? C'est lui, un Shamok. Nous recevons un paiement de 2216, ouais. De 221 par tour. Ah ouais, mais non, ça m'intéresse pas, moi. En plus, il essaie de m'arnaquer, donc je rêve. Non, mais Sunse, non, non, non. À nous accorder à Sunse, cela, de déclarer la guerre à Shamok, cela nous impliquera aussi dans sa guerre. Ah! Ah, ça c'est différent ça. Écoute. T'as pas une armure pour mon général? Non. Allez, un petit peu plus d'argent. Et je suis ok. Allez. Ce fut très encourageant. Va faire la guerre. Vas-y. Nous avons hâte de connaître votre réponse. Tout Anne. J'accepte, il n'y a pas de souci. J'apprécie que vous envoyiez les bénéfices. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a notre armée ici qui attend. Donc, si jamais leur viendrait l'idée de vouloir nous attaquer, ça prendrait le retour. Hein. Retour de flamme. Et je préfère laisser Sunse pouvoir s'épandre à l'est. Hein. Plus notre vassal est puissant et mieux c'est pour nous. Alors, guerre déclarée entre Sunse et Tuan et le reste. Ah, Simaï est sorti. Oula, Simaï est sorti. Où es-tu, Simaï? Ah. Il a dû se faire engager déjà. Quelle tristesse. Bientôt, on va penser à monter une autre armée. Hein. Voyons voir. Hein. Donc on est en guerre contre ceux-là. Ouais, Tuan il est extrêmement faible. Il a 3 colonies et Shamok il en a 2. Bon, Sunse devrait lui rouler dessus sans trop de problèmes. C'est qui ça? C'est les turbans jaunes? Ils sont où les autres turbans jaunes? Ah ben voilà, ben, j'en étais sûr, ils viennent m'agresser. Tous ensemble. Nous ne faisons qu'un. Même pas se promener tranquille. Hein. Notre cause est juste et noble. Ah mais c'est ça, casse-toi. Mais du coup on va rester dans la colonie. Annoncez mon arrivée. Je le savais qu'ils allaient vouloir me prendre des provinces, qu'ils faisaient tout le tour pour venir m'emmerder. Je le savais. Avec sagesse. Bon, eux ils s'ennuient. Hein. Avançons. Pour retourner à la maison. Et un peu plus vite, peut-être. Rassemblez vos réserves. Voilà. Qui reste pas dans le territoire de notre ennemi. Est-ce qu'on peut vassaliser quelqu'un? Ah. Ah, Kyubiaro. Bonjour. C'est un vrai plaisir. Mais tu resteras autonome. On peut marier... Ah non, 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 non. Il y a Liu Qiu.
Liu Bei, c'est pas le vrai, c'est un faux. C'est un fake, ça, je reconnais. Si on pouvait la marier, ça pourrait être pas mal, hein. Normalement, il faut la marier à Yuki, mais Yuki, il a 47 ans. Ça coûte cher, le mariage? Ah, ils sont chauds, en plus. Hein. Ah ouais, mais ils sont chauds, mais eux, ils sont pas trop en harmonie. Hein. Alors, Yuki, ouais. Yuxu, ouais. Yuxu, il a 22 ans. Bon, on peut la faire avec Yuki. Hein. Je sais pas quel niveau il a, mais il doit être pas mal. Hein. Ils sont chauds aussi. Ok, donc on accepte ce mariage. Ça nous fera un officier en plus. Hein. On vous file un peu de bouffe. Hein. Quand même pas 50. Hein. Non, pas un paiement régulier. On vous offre un échange de nourriture. Voilà. Quand même pas 50. Hein. Je veux bien aller jusqu'à 19, mais pas plus. Hein. Et en échange, on vous fait un petit paiement. Kakao, il va se prendre une armée. Il va se prendre les trois quarts de la map sur la tronche, ça va lui faire bizarre. Allez, on a beaucoup d'argent, alors on en profite. Hein. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, mais quand on aime, on ne compte pas. Allez. 7700, voilà. Bon, on peut descendre un peu. 7400. Vendu. Et on n'a même pas de trucs à donner. C'est pas mal, hein. Allez. Tant que notre peuple est sauf, rien n'est perdu. Faites la paix. Faites comme la paix. Vous voudrez. La paix. Oui, nous acceptons. Ce sont des termes des plus acceptables. Nous avons je deviens énorme, hein, avec tout ce que j'ai. Cela présage de grandes choses. Alors, j'ai vu qu'on pouvait vassaliser quelqu'un d'autre qui était juste à côté de Liu Biao. Toi. Alors on en profite, on y va hein, maintenant. On vassalise tout ce qui bouge. Bonjour. Je te propose un échange de nourriture. Pas 50. Allez, 17. Ouais, on peut même monter jusqu'à 20. Voilà. On monte jusqu'à 20, comme ça il nous restera 35 de nourriture. Ça nous laissera de quoi continuer à augmenter la taille des villas. Je peux t'effectuer un paiement à la limite. Hein. À toi, ça monte vite. Hein. Allez. On n'en parle plus. Parfait. Tant que notre peuple est sauf, rien n'est perdu. On va saisir tout le monde. C'est gratos. On va y voir à la tronche de la carte. Mariage, oui. Ça signe des traités de paix. En plus, la personne va vouloir vous attaquer, mes vassaux, parce que regardez tout ce que j'ai comme vassaux. C'est improbable, hein, tout ce que j'ai. Ça, va falloir s'en occuper de cette poche-là. Contrat. Trop de seigneurs différents, surtout Yuanshu. Yuanshu va falloir s'en occuper sérieusement. C'est quoi? C'est à lui, en plus, ça aussi. Ça, c'est à lui. Hein. On est bien, là. On est bien. Alors, on a eu un nouvel officier, c'est Lyoku, qui veut un poste plus élevé à la cour, hein, qui est niveau 6. Monsieur est solide. Ok, cet arc par contre, tu l'enlèves de suite. Hein. Partisan. On va plutôt lui donner ça, un garde du corps. Au niveau de la monture, je crois qu'on a une... Voilà, on a cette monture qui fait de l'extinct. En armure, on va lui laisser ça. On pourrait lui mettre une belle lance. Ouais, on va lui donner la lance du serpent. Et en accessoire,
tu auras droit au cochon de pierre. Voilà. Il veut un poste plus élevé à la cour. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, on va pas le mettre Premier ministre, évidemment. Lui, c'est une idée de le mettre Premier ministre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Plus de satisfaction dans toute la faction. Les espions auraient plus de mal. Toi, juste de la satisfaction, tu ne sers à rien. Toi, tu donnerais un accord commercial en plus, mais les gens ne seraient pas trop contents. Loubou. Ouais, de satisfaction et coût de redéploiement. Et toi, plus de satisfaction que le Loubou. Et le coût de redéploiement. Qui est encore plus réduit. Elle qui réduirait le coût de construction partout, mais bon. Alors lui, on va le mettre Premier ministre. Toi, on va te mettre chancelière. Et du coup, on va le mettre administrateur. Administrateur de quoi? Administrateur de la province qui rapporte le plus. Donc, ici. Voilà. Ça devrait aller mieux au niveau de voilà. Au niveau de la position à la cour, ça va beaucoup mieux. En plus, l'autre, vu qu'il est Premier ministre, eh bien, du coup, ça augmente la satisfaction de tout le monde. Toi, tu voudrais un poste plus élevé à la cour. Et général de qui? De mon fils. Enfin, de mon fils, de mon chef de faction. Du coup, on va peut-être... déjà, on va peut-être te mettre autre chose comme équipement. Par exemple, ça. Ça, il n'y a rien. On peut lui donner ça. Et en partisan, on va lui mettre ça. En accessoire. Qu'est-ce que tu as en accessoire? Un petit cochon. Voilà. Il fait toujours la gueule. Il fait toujours la gueule. Du coup, on va lui donner un titre. Un titre qui va lui réduire la pénalité à cause de l'ambition. Pour un poste supérieur. J'aimerais bien lui mettre Dragon de sang, mais on l'a pas. Et autre chose, général de la cour, général de l'armée de front, ouais. Général de la droite. Général d'étendeur. Alors il y a ça. Général à bienveillance céleste. Général soutenant les Han. Ouais. Ah, seigneur du tonnerre. Plus 400 quand même de salaire. Hein. Mais il gagnerait de l'instinct d'autorité. Il aurait effroi. Il ne commande pas. Ce serait plus utile ça du coup. Protecteur des trois royaumes. Tu donnerais de l'expertise et d'autorité. Donc pour sa cavalerie et pour ses unités au corps à corps, c'est mieux. Il aurait plus de morale. Parce que ça, en fait, ça c'est bien si le mec il commande. Mais là, il commande pas, donc allez, on lui met ça. Ensuite, bon, toi, on s'en fout pour l'instant, Zubeng. Lui, ça prendra effet à partir du prochain tour. Zhang Fei qui manque d'objectif. T'es sérieux? Zhang Fei, ça va s'arranger tout seul. Ok, on est bien. Loubou, il peut bouger, donc il va bouger. À la guerre. Il va commencer à se diriger là pour la finish. Ne toi, tu ne pouvais pas bouger. Les autres armées, elles étaient bien. Ok, on peut passer le tour. Un tour assez long, mais fallait bien trouver pas mal. À mon fils. La paix s'est imposée. Rapide. Chamok veut la paix, mais non. Comme vous voudrez. On va pas faire la paix parce que du coup,
Le fait d'être en guerre avec lui, ça augmente nos relations avec Sun Tse. Je préfère ça. Il est assez loin de nous, donc normalement il n'y a pas de risque qu'il nous attaque. Et Sun Tse, ça devrait s'en occuper assez rapidement. Turban jaune qui se barre là. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils sont relous. Ils peuvent pas juste mourir en fait. Ça serait bien qu'on récupère cette colonie aussi là. Alors, Royaume du Wei a signé un traité de paix avec Yuan Shu. Souxi a déclaré la guerre. Ok. Ok, donc on va finir cette armée avec lui. Et on va surveiller les mouvements de celle-là. Comment ça, estimation de perte moyenne? Hors de question. Hors de question qu'on ait des pertes, hein. Surtout vu l'armée qui est en face, ça ne sert à rien. La résolution auto, elle est aux fraises là. En plus, on a les flèches de feu, ça c'est parfait, ça. Gaïdonix. Hein. Alors. Frontline. Ils sont là pour déborder. Eux, ils font les dégâts. Eux, ils vont tirer sur les adversaires. Il n'y a pas de cavalerie. Donc on peut les mettre quoi là. Notre seigneur ici. Patège là. Je suis sûr que rien qu'avec la cavalerie, je pourrais les battre. Est-ce qu'ils vont aller vers nous? Bah oui. Ok, ils nous ont vus. Arrêtez-vous, attendez ici vous. Laissons-les venir. On va pas désactiver le mode escarmouche. Allez, un petit coup d'accélération. Les guerriers ennemis déguerpissent. Ah, tu veux un duel là, hein. Ah, triompherai. Merde. Ça permettrait de l'améliorer. Ils ont même pas le temps de débarquer. Au pas de course. Les guerriers ennemis déguerpissent. Tu veux un duel? Bah vas-y. Les petits duels pour mes généraux, ça leur ferait pas de mal. Allez, on va les balader un petit peu. Allez, cette petite unité là, elle sait pas trop quoi faire. Hein. Vermine, t'aurais du mal, toi. Bravo! Avez-vous trouvé ça vous-même? Les guerriers ennemis. Je suis pas sûr que ce soit un bon dualiste. Ah, en plus, il a pas d'équipement de fou en vrai. Faudrait que je revoie un peu leur équipement. Ok, oula, il a pris cher lui. Mmh. Ouais.
Surprise. On arrive. Et on se les prend en plein dans le dos. Votre famille sera bien traitée après votre mort. Je m'en assurerai. Pendant que le premier duel se fait. Vos paroles les patates sont aussi vaines que vous. Les guerriers ennemis déguerpissent. Eh, je confonds les touches. Ils ont même pas le temps de nous arriver dessus qu'ils sont déjà. Ils sont déjà cuits. Eh, la cavalerie. Nous avons tué un général ennemi. Quoi? Le combat est fini? Préparez-vous! Détruisez-les! Prêt! Dépêchez-vous! Donc là on va décliner par contre la demande de duel. Hein. Vu qu'ils se sont déjà battus, on va pas qu'ils meurent. Et voilà, la victoire. L'heure est venue. Je suis prêt. Allez, on va aller finish la dernière. Oh, il est niveau 5 quand même. Hein. Oui. On va aller la finish. On n'a pas plus. J'aimerais bien avoir une petite unité de cavalerie qui est dessus aussi. Hein. Allez, allez, allez. Suivez-les. Cavalerie. On pas doublé. Allez, on y va. On pousse. S'il pouvait la dégommer, ce serait parfait. Je suis pas sûr qu'il y arrive. Hein. Faut mourir, madame. Avec tous ces gens autour d'elle, elle va pas survivre. Hein. Non, c'est bon. Oula, quoique, la frontière est juste ici. Allez, nous allez. Avons tué bon. Un général. Voilà, ça c'est fait. Une armée de turbangeurs d'armes qui traîne autour de mes villes. Évidemment, les balistes. Les balistes et les archers d'Onyx. Ça fait le café, hein. T'as le casque qui pendouille là. Nos plans se réalisent. 8 pertes. Et ça disait qu'on allait en perdre. Ah ça c'est bien ça. Qu'on allait en perdre quelques-unes des unités. Bon ça on bute. Il faut savoir punir les traîtres. On bute et on prend l'argent là. La clarté. Non, ils sont pas toujours en vie là. Mais si. Que voulez-vous, Altesse? Très bien, toi t'as pris un niveau, hop, ça va direct sur précision. Juste de dégâts à distance pour l'armée. Je réponds à votre appel, Altesse, à votre service. C'est vrai qu'on voulait regarder leur équipement. Ah, ils étaient. Ils sont bien en vrai. C'est pas si horrible. Bon, ça serait bien d'avoir des trucs en or, mais. Déjà bien ce qu'ils ont. Déjà très bien. Du coup, enfin, finish cette armée et aller poursuivre celle-là. Pendant ce temps, Loubou. Loubou continue à. Pas de quartier. À récupérer ses points de vie. On va passer par là et on va aller récupérer ce territoire. Ensuite, toi. Tu enlèves le mode marche. Tu mets un mode normal. Et tu vas aller dans la colonie ici. Regardez-moi tout ce qu'il y a là de turban jaune, c'est pas normal. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? On peut faire un vassal?
Non, ils ont pas de territoire, ils servent à rien. Ok, là on peut vassaliser personne, on pourrait faire la paix, mais bon. Je veux bien faire la paix, mais je te vassalise. Non. Non, non, non. On peut pas la vassaliser. Donc, on va la dégommer. Lui, qui commence, lui, il commence à nous regarder de travers, par contre, Zuxine. En plus, il est allé avec Zheng Jiang, c'est pour ça qu'il fait la tronche. Il est allié avec tout le bloc, là, donc... Abordons certains sujets. Lui, quand on va lui déclarer la guerre, on va tous les avoir en même temps. Donc avant qu'on lui, vraiment, qu'on lui déclare réellement la guerre, et qu'on attaque tout le monde, faudrait bien que toutes mes armées soient en position. Limite qu'en en un tour, qu'on lui prenne les 4 territoires. Bon, profitons-en, qu'on n'ait pas d'accord à faire, pour booster les différentes provinces. Moins 10 à cause du dernier événement. Sa population. Ça serait bien peut-être de mettre un petit temple confucéen là, pour booster l'ordre public. Ah, ça mange pas de pain. S'il n'y a pas besoin, Dai c'est pareil, on peut mettre un temple confucéen. Ça booste l'ordre public, mais aussi l'économie, donc ça reste rentable. Quand même, hein. On va faire pareil, hein, du coup. Ici, on va le monter. On va monter la colonie de niveau ici. Là, on va booster le commerce. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. On va faire ça. Pourquoi il y a ça? À quoi ça sert? On va pas l'enlever parce que ça permet de garder l'ordre public dans le positif. Mais ça, à l'avenir, on va le péter. Hein. De toute façon, c'est nul là ce qu'il y a à l'Oyolang. C'est nul, nul, nul. Hop, ça on le booste. Parfait. Bientôt une nouvelle armée. Hein. En tout cas, c'est cool hein, quand AlphaCast il fait... des lives sur les trois orients, parce que du coup moi ça me fait un petit boost, vous êtes plus nombreux qu'habituellement, surtout ce matin, j'étais étonné, le matin, l'après-midi pas trop, il n'y a pas énormément de monde, mais le matin vous êtes assez nombreux en général. Voilà, d'ailleurs je précise pour ceux qui sont là, si j'ai pas la caméra, c'est parce qu'elle est décédée. Pour la Chine, nous la retrouverons bientôt. Allez, va le crever, lui, une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Là, il arrête de se balader sur mes terres, lui. Chaque victoire stabilise le royaume. Ah ben dis donc, tant d'argent, je n'en demandais pas tant. Impitoyable. Qui a pris un niveau? Toi. Qu'est-ce qu'on peut t'activer? Active, ignore les pénalités causées par la forêt. Ça peut être utile. On va partir sur ça, du coup. Ce qui lui booste aussi l'autorité, donc le moral de ses troupes. Ok, donc toi, tu vas revenir ici. C'est vrai, il faudra préparer une armée ici pour... Ah tiens, c'est quoi? On va le mettre par là. Comme ça, quand on déclarera la guerre à lui et que ça déclarera aussi la guerre à Yuan Shu, on pourra lui prendre ce territoire qui est assez isolé. D'ailleurs, territoire isolé, parlons-en. Il y a toujours ce territoire récupéré. Qui est parti de Tao Chang. Est-ce qu'il serait chaud maintenant pour me laisser? Asseyez-vous. Hop. C'est Yu Beiping, c'est ça. Combien? 59! Il est fou. Ah non, non, non. C'est beaucoup trop cher. Hein. C'est beaucoup trop cher pour le récupérer.
Ah ouais, mais non, je peux pas le faire amener ici. Parce qu'il y a toujours ces turbans jaunes là qui traînent. Lobou. Impossible. Rien ne nous arrêtera. On va le mettre là. On va pas le faire avancer plus, comme ça il reste dans le territoire notre allié et du coup il continue à se reconstituer. Et au prochain tour on ira récupérer ça. Ensuite. On va peut-être commencer. On va le laisser là en attendant. Je voulais commencer à le positionner, mais non. Non. On va attendre. Angrui, est-ce que tu fais partie des autres? Ouais, il fait partie des autres gars. Du bloc d'alliés qu'il y a ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le gratter et de le récupérer? Bienvenue, en vassal. Pas du tout. Ah, ils se sentent plus pissés là parce que du coup ils sont tous alliés entre eux. Donc du coup ils veulent plus du tout se faire vassaliser. Ouais, y a plus personne là. Ok. On a 12K. Bah, du coup vu qu'on peut pas les utiliser dans les accords, on va en profiter pour tout booster. On peut booster ça? Allez, vas-y. Allez, on va booster ça pour l'ordre public. Ici, il n'y a pas besoin. On va faire ça. Yo Yang, il n'y a pas besoin d'y toucher. Ok, on est bien pour ce tour-ci. Reste juste ça. Allez, hop, un petit coup de plus. Et on peut... Je pense passer le tour. Est-ce qu'il n'y a pas des gens à recruter intéressants? Non. Toujours d'Angli. On a failli la prendre, mais... Elle est tellement énervée qu'il valait mieux ne pas la prendre. Oh. Toi, si t'es là au prochain tour, on te prend. Passons le tour. Comment ça évolue? Ah, on dirait que les turbans jaunes se sont fait attraper. Faudrait régler ce problème là. Faudrait s'en occuper quand même. En vrai, ça m'intéresse pas trop. En fait, j'ai envie de m'en occuper parce qu'ils risquent d'envoyer des armées. Mais là, comme ils viennent de faire, se promener sur mes territoires. Mais je me dis en même temps, c'est en plein cœur de mes propres alliés. Est-ce que je vais vraiment y aller? Ça rejoint les guerres. Hein. Faction confédérée. Les tribus unies. Au sud, des rumeurs veulent qu'un chef soit apparu parmi les tribus, désormais unies sous une seule bannière. On ne sait si elle constitue une menace pour les Han et les peuples de la Chine, mais... ferions peut-être bien d'envoyer des émissaires afin d'évaluer cette nouvelle nation. You... Anne qui vient de décéder. Maintenant c'est Luxu. C'était qui déjà Luan? C'était pas un de mes vassaux ça? Si, c'est un de mes vassaux. Chef faction qui est mort. Jaxu qui est mort aussi. Il ne servait à rien. Du coup, avant toute chose, on va faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y est toujours? Ouais. 19 ans. C'est très jeune. Donc du coup, elle n'a pas beaucoup de points de compétences. Donc je pourrais la rediriger vers ce que je veux. Quels sont tes... Ah bah je l'ai recruté. Je voulais pas le faire. Miss Click. Enfin, je voulais pas le faire tout de suite, mais... Écoutez. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi? T'as beaucoup de détermination et d'autorité. Bon, l'autorité, c'est pas mal. Hein. Satisfaction plus 5 aussi. Hein. Ok. Je commence à réfléchir pour une future armée. Alors, pas besoin de général vert, parce qu'on avait déjà un général vert. Donc, il va falloir réfléchir à trouver... soit un général violet, comme elle. Est-ce
laquelle... Ouais, voilà. Elle, on l'avait pas prise parce que... parce qu'elle voulait vraiment... elle cherche vraiment le pouvoir, elle. Donc, si on lui donne ne serait-ce qu'un peu de pouvoir, elle va... Elle va péter un plomb. Elle va se sentir plus pétée. De plus. Mais si on lui en donne pas, elle va aussi péter un plomb. Donc en fait, ça aurait ni un problème, Stéphia. Il nous faudrait un général rouge. Il y a lui. Dans la détermination. Pénalité à cause de la mission pour poste réduite. Ah. Témérité. Moins de ruse, mais plus de détermination. Implacable. Oh, il est stylé, lui. Allez, vendu. Bienvenue dans la team. Petite réforme. Nouvelle technologie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah bah du coup ça. Plus de satisfaction pour tous les champions. Plus 12. Déverrouillonnez vos bâtiments. Et surtout, on se rapproche de débloquer ce bâtiment-ci. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est des nouvelles unités de cavalerie. Avant tout. Ok. Donc les généraux verts, ils seront vraiment très contents. On pourrait monter une nouvelle armée. Est-ce qu'on le fait maintenant? Les flèches de feu. Oh, magnifique. Magnifique, si elle a les flèches de feu. Elle a un cheval. Un partisan. Est-ce que j'en ai un qui donne de... Non, j'en ai aucun qui donne de la ruse. L'arc impérial, plus de ruse. Active le tir à cheval. Parfait. Pas d'armure, malheureusement. Ouah. Est-ce qu'on a un truc à t'équiper? Oui. On peut te mettre cette jolie lance. Au niveau des armures, on peut te mettre une armure un peu plus solide. Monture. Monture, on verra après. Non, plutôt celle-là, ouais. On va lui donner une monture. Celle qui donne plus d'autorité. La verte, on la réserve pour un général vert. Partisan. Des formations dispersées, ça peut être une idée. Ce sera formation dispersée. Et en accessoire. Qu'est-ce que tu manques? D'expertise et détermination. Est-ce qu'il a le déploiement de guérilla? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il a une perque pour avoir le déploiement de guérilla? Si c'est celle-là, mais elle n'est pas vraiment utile. Du coup, on va lui mettre... Bon, on va pas lui mettre. Parce que ça lui donne de la ruse. Donc c'est bien pourri. Ouais. Allez, on va lui donner ça. L'air du commandement. Il y a plus de PV. Qui c'est qu'on va mettre? On va mettre madame, peut-être. Elle sert pas grand-chose pour l'instant. On va donner la petite sœur. La petite sœur. Sœur, t'as quoi? T'as ça. D'accord. Ah, si elle commande, ça serait pas mal. Elle, si elle commande, on s'en fout un peu. Et lui, il a pas vraiment de... Il a une perque. S'il commande. Ouais. Du coup, ça sera elle, la commandante. Ouf. Ah bah tiens. Bâton de Zengjue. C'est cadeau. Armure. On va lui laisser cette armure. Le cheval, par contre, ça c'est oui. Partisan, ça oui. Et en accessoire. Plus d'expertise ne lui fera pas de mal. Voilà. Ok, cette armée, on va commencer à la déployer au prochain tour.
On va en profiter une dernière, un dernier tour pour pouvoir booster. Bon, on va garder l'argent même. Quoique. Voilà. On va juste monter la capitale de cette ville de niveau. Et on verra le reste plus tard. Alors, le bout. À l'attaque. Allez, vas-y. On va prendre ça. Décimez-les. Une armée au nord, j'ai vu. Allez, tu délègues et tu prends. Cela offre d'autres opportunités. Le bout qui doit commencer à prendre un peu d'âge. Hein, maintenant. Il y a du potentiel. Quel âge le bout? 49 ans. Guerrier sans égal. Là, j'ai une garnison, là. Rassurez-moi, oui. On s'en occupera après. Que font mes autres généraux? Toi. Toi, t'étais en train de revenir, donc pas besoin. Bah tiens. On va le diriger ici. Ensemble. Du coup. Je pense qu'on peut passer le tour. Passons le tour. On pourrait se bien. Lui, il va être chargé de prendre ce territoire quand on attaquera Yuanshu. On va monter une armée ici. Ça y est, une armée qui ira prendre ça. On aura une armée pour chaque territoire de notre enfoiré. On va faire ça. Majorité, Lucci. Nouveau général. Le frère. Lucci, est-ce que tu fais la tronche? Non. On va te laisser... On va l'affecter, tiens. On va l'affecter parce que lui, je sais pas trop quoi en faire. Est-ce qu'il y a de la corruption ici? Oui. Est-ce qu'il est capable d'enlever la corruption, Lucci? Non, par contre, il booste le revenu de la paysannerie. Ok, donc trouvons un territoire où la paysannerie rapporte. Alors, on a Anping pour 500. Ça part sur du Anping pour l'instant. Yanmen. Yanmen qui a de la corruption. Ok. Ce sera ici. On va le déployer. Revenu à la paysannerie plus 50%. Ça fera un petit income en plus. Petit income en plus. Alors, on avait dit qu'on allait recruter une nouvelle armée. Donc la nouvelle armée, on va la recruter ici. Donc, je veux... Ah mais c'est vrai qu'on a Lucci. Je suis fou, moi. J'ai recruté Sun Yu, mais il sert à rien, en vrai. Ah mais Sun Yu... Excuse-moi, mais... Je t'ai pris, mais... Il y a Lucci. Il y a Lucci. Ok, bah du coup, on va plutôt prendre Lucci. Liu Qi, je vais arriver à le prononcer. Par devoir. Avec à côté. Ah, il s'aime pas trop avec Zoto. Bon bah tant pis, hein. Avec. Hein. Surgissez avec résolution. Vous le vivrez bien. Hein. Bravo. Avec Zoto et on avait dit. Où il est mon. Avec elle. Elle s'entend bien avec Zoutou, donc du coup ça va équilibrer les relations. Est-ce que ça va être lui qui va commander? Qu'est-ce qu'il avait comme compétence? Ok, quand ce personnage commande, plus de portée, plus de reconstitution, dégâts mêlés pour toute la cavalerie de choc, ouais. Rien que pour la portée, je suis tenté de le faire pour le commandant. Ce sera le commandant.
Par contre, ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Ah, on a les pourfendeurs de traîtres. Oh! Ça doit être lié à lui, en fait. Hein. Bah tiens, on va en mettre. Attaque en zone et bonne charge. Par contre, on va te mettre ça. Ça. Qu'est-ce que tu as, toi? Tu as les flèches de feu. Est-ce que c'est loin, le tir incendiaire? Non. Pas trop loin. Elle, on va lui mettre des bons boucliers. Avant de faire le reste... Bah non, on va continuer. Elle peut avoir les archers d'Onyx. Ouais. Elle peut avoir les dragons de feu. Ah, ça peut être une idée, en fait. Hein. Au lieu de mettre des trébuchets, on va lui mettre des dragons de feu. On va voir. On va voir la prochaine fois. Bon les amis, je vais vous laisser sur ceci. J'espère que vous avez apprécié ce live, comme d'habitude. Je vous fais tous des bisous. On se retrouve normalement demain après-midi. Jusque-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.